Il voulait m'humilier. Camille Lellouche revient sur son casting à La Nouvelle Star et dénonce le montage. Dans une interview accordée à Kevin Razi, Camille Lellouche est revenue sur sa participation à La Nouvelle Star. En 2010, et sa prestation ratée, le concept, c'était quand même d'être très méchante avec tout le monde, a-t-elle déploré. Devenir chanteuse, c'était son rêve. Et pour le réaliser, Camille Lellouche a tout essayé. En 2008, elle a passé les castings pour participer à la Star Academy, sans succès. Puis, en 2010, elle s'est présentée devant les jurés de la Nouvelle Star, et cela ne s'est pas vraiment bien passé. Les jurés n'ont pas été convaincus par sa prestation. On les voit même se moquer d'elle pendant qu'elle chante sur les images d'archives. « Camille, t'as pas chanté, t'as déboulé », a commenté Philippe Manœuvre. Et André Manoukian de Surenchérir, vous avez un joli brin de voix. Mais qu'est-ce que vous amenez de neuf, de quoi énerver Camille Lellouche, qui ne s'est pas laissée démonter, sans instru. Ce n'est pas facile. Chanter devant un public, je le fais tout le temps. C'est bien, vous ne m'écoutez pas, vous avez raison, se défend-elle. Dans une interview accordée à Kevin Razi pour son émission diffusée sur YouTube. Camille Lellouche est revenue sur sa participation à La Nouvelle Star. Le concept, c'était quand même d'être très méchante avec tout le monde. Je trouve, a-t-elle déploré, avant de dénoncer le montage, quand il rigole. Ils l'ont pas fait devant moi. C'est du montage. Si tu fais ça devant moi, j'insulte ta mère. Jamais de la vie tu fais ça, mais s'ils n'ont pas rigolé devant elle, leurs commentaires acerbes l'ont tout de même touché. Franchement, j'étais triste. Et surtout, j'étais là depuis 9h du matin, j'avais 39 de fièvre. J'avais un bouton de fièvre, et j'avais vomi 3 fois dans un seau, j'étais dégoûtée. Et quand je dis, c'est bon, ça sert à rien de continuer, je suis énervée, dans l'oreillette. Il dit, attention, elle est très énervée, ils voulaient que je pleure, ils attendaient que ça. Il voulait m'humilier. C'était dur, franchement c'était dur. Des années après, Camille Lellouche a recroisé la route d'André Manoukian. Il a fait un album de reprise de Gainsbourg où il m'a invité et il s'est excusé. Il m'a dit, j'ai été con, je lui ai dit, je pense que t'as pas été con parce que mon casting il était éclaté au sol. A glissé la chanteuse nouvellement maman. Et elle l'excuse, c'était de la télé. Elle s'est rattrapée en allant jusqu'en demi-finale de The Voice, en 2015.